Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes le vendredi et le vendredi, c'est évidemment Resident Evil Code Veronica. Nous allons continuer Resident Evil Code Veronica. Souvenez-vous, la dernière fois, on s'était arrêté à une énigme. J'ai le petit papier qu'on avait commencé à écrire. À une énigme, du coup, pour en fait découvrir ce qu'il y a derrière un tableau. Ou alors, le tableau va peut-être nous activer quelque chose, on ne sait pas trop. La dernière fois, donc, du coup, on avait quasi terminé, je crois, le centre d'entraînement, et on s'était dirigé directement vers le manoir où nous avons en fait récupéré une clé. Cette clé dorée qui nous sert à ouvrir la porte dorée, et porte dorée qui nous amène directement ici, au niveau donc du coup de cette fameuse énigme. Donc, on va voir ce qu'il y a donc du coup, ce que fait cette énigme. Qu'est-ce qu'on récupère en faisant cette énigme, ou est-ce que cette énigme va nous ouvrir une porte? On ne sait pas. Pour pouvoir avancer, le truc c'est qu'une fois qu'on a fait ça, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Donc on va bien voir, on va fouiller en fait, je pense. Voir un petit peu ce qu'il y a. Faut qu'on revoie aussi les objets qu'on a, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup d'objets. On a la clé. Ah oui, on a la clé, on a les deux emblèmes, donc marine et infanterie. Il en manque un du coup, je suppose que ça doit être aérien ou l'air. Je sais pas du tout. Et je crois que c'est tout. Parce que du coup, l'emblème de l'aigle. Oui, on avait récupéré un emblème qu'on avait mis du coup sur le truc. Ça nous avait permis de récupérer la carte Indigo. Et donc, du coup, on avait théoriquement tout fait. Donc, on va voir. On va couper la moseka. Et on va lancer tout ça. Je vous allume ça. Bim bam boum. Let's go. Ah, PlayStation 2. Donc on va prendre ceci, on va prendre la manette. Pourri. Et du coup, oui, hier on a fini donc du coup Secret of Mana. Donc on fera normalement GS Soul River, non, Blood Omen 2 la semaine prochaine. Peut-être qu'on fera Soul River, mais Soul River serait à faire avant, mais en vrai, Soul River, j'ai très peu joué. Alors Blood Omen 2, je l'ai fini. Donc en vrai, un petit jeu que j'ai déjà fini, même si ça fait hyper longtemps, ce serait plutôt intéressant. Resident Evil. Bourrique? Alors, ah oui, du coup, en plus, on est, bah oui, on est directement à cet endroit-là. Donc, du coup, regardons. Donc, on a bien donc le seau infanterie, le seau marine. On a des grenades. On a la carte d'identité de, je sais plus qui. Ah oui, d'un des mecs, je ne sais plus. On a la valise en l'air. On a les Luger. C'est vrai. Je vais la mettre un poil plus près. Non. On va ranger un peu tout ça. Voilà. On va ranger un peu tout ça. Alors, c'est vrai qu'on a les Luger qui nous servent à... Ah mais ils nous servent là les Luger. La découverte. Putain, mais les Luger, ils servent là. Mais pourquoi en fait je me... Est-ce qu'on fait la truc tout de suite? Ou est-ce qu'on la fait après? On va voir ce qu'il y a dans cette salle-là. J'ai quoi comme... Ouais, j'ai quand même des armes. Bah en vrai, on va déjà les placer, comme ça sera fait. Ouais, c'est parce que Michel nous les a piqués en fait. Y a rien là, ouais. C'est fermé, y a un coin en forme de pistolet. Oui, c'est fermé, y a un coin en forme de pistolet.
Bah, en vrai, regardons ce qu'il y a derrière la porte, en fait. On va faire la truc juste après. Après, peut-être qu'il y a des indices. Il y a des balles, en tout cas. Une vieille photographie. Une antique horloge musicale. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Typical. Typical bureau japonais, j'ai l'impression aussi. Ah, il y a un truc sur le bureau. Un texte est inscrit sur une des feuilles. Premier chiffre, gauche-droite. Faut écrire, écrire des trucs. Premier chiffre, gauche-droite. Ok. Chiffre 1, gauche-droite. Deuxième chiffre, gauche. Troisième chiffre, droite. Quatrième chiffre, droite, droite, droite. Ne pas remettre à zéro en cours de manipulation. D'accord. Il n'est pas en marche. L'allumer? Bah oui. Ah oui, quand t'allumes un ordinateur, t'as ça qui s'allume, c'est creepy un petit peu. D'accord. Je vais entrer le mot de passe. Ah. Ok. Il y a deux boutons. Ok. Alors, pour avoir le chiffre 1. D'accord, j'ai compris l'énigme. Cette énigme-là, je l'ai compris, ça va. Gauche, droite. Donc, gauche. Droite. Normalement, le premier chiffre, c'est 1. Ensuite, gauche, 9, ensuite droite, 7, et ensuite droite, droite, droite. Normalement, c'est ça. Parce que du coup les armoiries c'est AA pour Alfred Ashford. Donc 1-9-1971 donc. M'en doutais. Oui. Pas le bon bouton. Lâche-moi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? On a une porte.
Où est-ce qu'on est? Un deuxième... Pardon? Il y a un manoir... Il y a un manoir dans le manoir? Tout. Je sais pas si je devrais tout consommer tout de suite. Je regarde. Ah bah oui, ah d'accord, c'est des... Okay, c'est des grenades... c'est des grenades un peu bizarres, quoi. Je pensais que ça allait être comme... En fait, c'est des grenades shotgun. C'est un lance-grenade shotgun, en fait. Je suis prêt à me faire exploser. Oui. On va peut-être pas les défoncer au... Mais... Ok. Ok, on est en faible orange. Qu'on trouve un soin quelque part. Ouais, c'est vrai qu'on a un truc. Bon, il y a une porte juste là. Prendre la porte. S'il y a un ennemi chiant, je me soigne. S'il n'y a pas d'ennemi, on verra. Elle a visé par là, c'est qu'à mon avis il y a un truc. Qu'est-ce que tu regardes? Danger! Ink Ribbon. Quel bazar. Mais il y a une porte là en fait. Ah non, c'est une fenêtre. Bravo le veau. Il y a rien bien utile ici. Quel bazar. Quoi ça là du coup? Une cheminée. Il n'y a pas de quoi stocker ici. Ah mais du coup si on avait encore le zout, on pourrait... on aurait pu... des armures. Alors ça va être vieille. On aurait pu allumer la cheminée. Elle sert à quoi cette pièce? Elle sert à quoi cette pièce à part se faire baiser? Ah peut-être pour la cheminée, mais du coup vu qu'on a plus le... Vu qu'on a plus le briquet. Forcément. T'es... Oh putain.
Le plan de caméra qui saccade m'a fait peur. Oh! Fantastique. Wunderbar. Bon, on avance tranquillement. Du coup, oui, on a... Keep focus, brother. Our enemy is only a little girl. Oh, why is this taking so long? My apologies, Alexia, but I have been doing my best. The revival of the Ashford family depends on your success, brother. I am aware of that, Alexia. I will revive the family name myself and make you the master of the glorious Ashford family. Do not worry, brother. I will handle them both myself. Who is there? Is someone in the corridor? What is it, Alexia? Nothing. I believe I must have been imagining things. Let us go, brother. Donc là, la sœur. Bonjour. Une grande poupée. On dirait qu'elle est fait main. Ah, il y a un pot là. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a une porte là et une porte là-bas. On va jouer au con. Bonjour. Ah, mais please. D'accord. Ouais, joliment décoré. Rien de bien utile. Une boîte à musique qui joue une belle mélodie. Chose est écrite à l'intérieur. La reine rouge et le roi bleu ouvriront le chemin. Je le note, hein. On sait jamais, hein. Ok. Arrêtez la musique. Ok. La boîte à musique est verrouillée. Je ne peux pas prendre le disque à l'intérieur. C'est incrusté de rubis. D'accord. Une clé argentée. D'accord. Ok. Examinons la clé. Une clé argentée gravée. Les armoiries de la famille Ashford. Ok. Mais du coup, donc là, d'accord. Donc du coup, ça ouvrirait quoi? C'est le pont. Centre de formation, il n'y a rien. Non. Ah, dans le manoir. La porte qui est là. Et la porte qui est là aussi. D'accord, ok. Mais là, du coup, on a accès à quoi en montant? Un trou dans le plafond a été fermé. Ah, ah oui, donc du coup, c'est de là qu'il est parti. Enfin, qu'elle est partie, du coup. Ou qu'ils sont partis, précisément. Ok, bah, cassons-nous, alors. Donc il faut qu'on retourne au manoir. Ah bah c'est parti, donc du coup on va pouvoir faire notre truc. Ah, il y a des balles là. Oui, non, je veux les balles. Du coup on peut passer de l'autre côté ?
prêt à dégainer. Ok. Carte postale. Mon cher frère, je suis intimement convaincu que le courage dont tu fais preuve redorera le glorieux blason de la famille Ashford. Sincèrement, Alexia. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Bon, ta musique est verrouillée, disque intérieur a été retiré, t'inscrivais de saphir. Et oui, d'accord, ok. Donc reine rouge et roi bleu. Ok, d'accord. Donc on devra placer un truc rouge de l'autre côté pour récupérer le disque. Ok. Ok. Donc bah retournons au manoir maintenant qu'on a la clé argentée. Et du coup, bah, va falloir qu'on fasse du coup cette fameuse énigme. Hop. Parce que du coup, donc ouais, Véronica, de toute façon, on sait que c'est la première. De toute façon, on relira hein, le truc. Hein. Peut-être qu'on a loupé un indice. Peut-être qu'on a loupé un indice au niveau du de l'énigme. Ploc, 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 ploc. Bah du coup sauvegardons déjà. Qu'est-ce qu'on peut remettre? On va déjà mettre ça là. Je vais voir un truc. Ça, ça pouvait pas s'ouvrir. Pourquoi? Avec une serrure simple. Ah bah oui, voilà. C'est parce qu'on n'avait pas le truc. Hop. On a rechargé comme ça l'arbalète au truc. Oui, c'est parce qu'on n'avait pas le crochet avant. Du coup... Ça soulève quand même un léger souci. On va peut-être mettre ça là. On va sauvegarder. On va remettre le Ink Ribbon à l'intérieur. Le palais bureau. Oui, non mais... Non. Ok. Donc là, du coup, on descend. Bah, on va aller faire la truc tout de suite. L'énigme tout de suite, au moins ça sera fait. On n'avait pas tué tout le monde, je crois. Non. 2, 3, 4, 5. Mais non, mais... Ça, lui, il est mort. Alors, du coup, l'énigme, ouais. On va relire le truc. Clic, ploc, clic, ploc, ploc.
Alors, relisons l'énigme. Donc, nouveau maître de famille. Monsieur Alfred, votre nouvelle position de chef de famille m'emplit de joie, patati patata. Bon. Vous le savez, cette tradition remonte à l'époque où un majordome offrit une tasse en or en l'honneur de Véronica, l'intelligence et la beauté de votre illustre ancêtre reste légendaire. Donc du coup, en premier, c'est Véronica. Stanley, puis son fils Thomas. Ses deux successeurs reçurent un présent identique. Il était symbole de leur volonté à atteindre... Ah ok, oui, je crois que j'avais mal lu. Reçurent un présent identique. Ok, ah ok, je crois que j'ai compris. J'ai mieux compris. Je récupère une autre feuille. Donc, Véronica... Bon, de toute façon, c'est la seule femme, mais elle, du coup, elle a eu une tasse. Elle a eu une tasse d'or. Stanley et Thomas, eux aussi, ont eu une tasse d'or. Enfin, une tasse. Stanley et Thomas ont eu une tasse. Eux aussi. En fait, je pensais qu'ils avaient eu un présent identique. Eux deux, mais en fait non, ils ont eu un présent identique à Véronica. Donc du coup, ils ont eu une tasse eux aussi. Donc, des symboles renommés égal à celui de Véronica, c'est ça. Donc, après, Sir Arthur et frère jumeau de Sir Thomas prit la succession. Donc, c'est bien ce que je pensais au début. Stanley, c'est celui qui tient les deux jumeaux. Sa succession. Donc on a bien Stanley, Thomas, Arthur, Edward, votre grand-père, et ensuite Alexander. Ok, ah, je l'ai peut-être. Donc déjà, Véronica, c'est sûr. Voilà, qui avait une tasse de thé. Ensuite, Stanley, c'est celui qui a les deux jumeaux. Et on voit qu'il a aussi une tasse de thé. Ok. Ensuite, c'est Thomas. Donc c'est celui avec la tasse de thé. Lui, c'est quoi, là? Ah non, lui, c'est le vase. Donc, non. Lui, c'est quoi? Une tasse de thé. Donc ça serait lui, Thomas, en fait. Ensuite, Arthur. Arthur... Ah, il est jumeau. Oui. Donc lui, il est roux. Lui, il est blond. Donc, ça serait lui. Ok. Edward. Alors, on sait que Alexander, c'est les bougies. Bah, Edward, du coup, c'est lui. Et donc, du coup, Alexander, c'est lui. Ouais, en fait, une fois qu'on a mieux lu la truc, ça va tout de suite. Et après, du coup, on active ça. Ah oui, une fois qu'on a réfléchi, ça marche mieux. En fait, c'est l'aspect de la tasse, en fait, que je savais pas trop. Et du coup, ça a affiché, du coup, la sœur Ashford. Va dans terre cuite. Ok. Portrait d'Alexia. Un pot de fleurs également représenté. Ok. On va voir à quoi il sert. C'est un vase en terre cuite avec un motif de fleurs. Please, quoi. Il y a quelque chose à l'intérieur. La reine des fourmis était dans le vase. Bijou de forme de fourmi serti de rubis. Ok. Eh ben, on a déjà du coup le truc rouge. Et oui, du coup, ça va plus vite quand on a réfléchi.
Mais en fait, c'est parce que la tasse. En fait, quand l'énigme c'était. Je pensais que c'était Stanley et Thomas qui avaient le même truc. C'est pour ça que j'étais parti sur les deux trucs en terre cuite. Parce que je me dis, bah, ils ont reçu le même présent à peu près. Donc, du coup, les deux jumeaux ont eu en fait le même truc. Mais en fait, non, c'est ils ont eu la même tasse de Véronica. Voilà pourquoi. Ah et bah donc du coup ça a été plus vite. Alors du coup, la clé argentée. Allons voir ce qu'il y a. On se prépare à dégainer. Tin, tin, tin. Oh tu m'emmerdes. Ouh bon vrai bibo, ok. D'accord. J'ai commencé à m'ennuyer avec le port. Et donc? Il faut vraiment y aller à l'arbalète ou au lance-grenade. Je le saurai la prochaine fois. Pardon? Il y a un autre blason? Blason de l'aigle. Ah, peut-être dans la salle, l'autre salle du coup, possible. Alors, le rapport de Hunk. Ah, un nom qu'on connaît. À l'attention de Monsieur Alfred Ashford, directeur du complexe. Ce jour, le 16-32. J'arrive sans encombre sur le site de transport d'Umbrella. Avec la capsule ABM grande capacité. Nous avons pris les plus grandes précautions pour son transport. Comme les ordres l'indiquaient, les 108 points de contrôle ont été vérifiés en accord avec les procédures en vigueur. La capsule se trouve dans une chambre froide. J'ai craché sur le micro. J'aimerais toutefois comprendre pourquoi affecter des troupes d'élite à un transport de capsules réfrigérées. De plus, bien que cela soit cassé top secret, nous aimerions être informés du contenu de ce genre de transport, surtout s'il s'avère particulièrement dangereux ou nocif. Nous aimerions disposer de plus d'informations, notamment de ce type de mission, si ce type de mission doit se répéter. Je me souviens encore du bon vieux temps lorsque j'étais dans ce camp d'entraînement. Rien ne semble avoir changé ici. Nous préparerons pour notre prochaine mission ce soir à 23h00. Hank, France VC à Dumbledore. Et oui, Hank, qui a été également envoyé à Raccoon City, qu'on a joué dans le mode, dans le petit mode. Alors, le pseudo-mode opération spéciale de Resident Evil 2 Remake, où normalement Hunk en fait a été le seul survivant, je crois, si je me souviens bien, de son équipe d'intervention. Et du coup, il est resté, on va dire, dans les équipes spéciales d'Umbrella, dans les unités spéciales d'Umbrella. Parce que théoriquement, on devrait le retrouver dans Resident Evil 4, dans le mode Mercenaries. D'ailleurs, Resident Evil 4 Remake est sorti aujourd'hui. N'inquiétez pas, on va le faire juste après avoir fait Code Veronica. C'est fermé. C'est la clé argentée. Let's go. Parce que du coup, on fera juste après Code Veronica et vraiment on le poncera à fond. Donc, pour ça, je disais, on fera peut-être KOTOR en mai. On verra, on prendra notre temps en fait pour Resident Evil 4. On verra. On verra vraiment. Ah, ça c'est bien par contre. Enfin, c'est bien, mais ouais, faut. Là, je reprends mes trucs. Mais non!
ce jeu. Je peux pas l'associer à des trucs. Non. Bon, on sait qu'il y a des herbes ici. Un vieux piano mécanique. Il faut avec du papier perforé. Hein ? Ah. Ok, bah du coup, il faudra revenir ici avec le papier perforé, d'accord. Ah oui, ok, on voit le truc ici. Ok. Machine à sous. L'une d'entre elles est allumée. Oui, bah, appuie dessus. Ok, donc en gros, il va falloir revenir ici avec le papier perforé. D'accord. Alors, par contre, où est-ce qu'on avait besoin de du truc? Là, non. Passage, pont métallique, prison, non. Non, là on avait tout fait. Là c'est où il faut les deux trucs. Bah non. Non, bah non. J'allais dire à moins qu'il faut mettre ça, prendre le papier perforé. Non, mais non, je pense qu'il faut les deux. Il faut les deux. Où est-ce qu'on a... Faut quand même pas tirer dessus, hein, sur le truc. Non. On sait jamais, hein. On sait jamais. Non, bah du coup, d'accord. Bon, un coup. Où est-ce qu'on doit mettre ce truc? Où est-ce qu'on doit mettre ce truc? C'est pas par là. Où est-ce qu'on doit le mettre? Tableau est exposé ici. Je vais voir dans la. Alors, peut-être pas dans la salle de sauvegarde, mais on va aller voir pour déposer des trucs. Mais. Où est-ce qu'on doit le mettre ce truc? On va sauvegarder. Le blason de l'aigle. Où est-ce qu'il faut le mettre? Je me souviens plus. Où est-ce qu'on avait eu un truc avec un blason? Merde. Ah! Attendez, si. Je crois que je me souviens, mais c'était où? Je crois que je me souviens. C'était où ce truc?
Mince. C'était où? Où est-ce que c'était? C'est un endroit avec une guillotine. C'était où? C'était pas l'aéroport. Merde, c'était où? Parce que là, quand on descend, c'était pas ça. Ah, mais c'était où? Passage, non. Il y avait une guillotine. C'était pas à la prison. Non, c'était pas à la prison. Ah, attendez, si, c'est là. C'est là. C'est à la prison. Ah ouais, c'est... Oui, oui, oui. Ah, bonjour. Ben, tire. Ça, eux au moins ils sont down. Ouais, du coup c'était à la prison. Ok. Ouais. Alors, en fait il y a la guillotine et derrière en fait il y a une porte avec un blason. Ah, du coup c'est con parce qu'on aurait pu... Ouais, si j'avais su qu'on retournait là, on aurait fait... on aurait été voir Michel en même temps. Bah. C'est par où? C'est derrière moi. Donc c'est clac, clac. C'est l'endroit où il y a les chiens, où on les a pas tués. Du coup, la prison est bien infestée de zombies. Alors, ah. C'est là. Plaque indigo pour accueillir un objet. Pas le temps de niaiser. Un truc, ouais.
je vois qu'il y a un truc. Oh, c'est juste le design. Okay. Oh. Deux ennemis, blah, pas le temps de niaiser. On va prendre quand même les mitraillettes. Parce qu'au pire, on va les vider, hein, c'est pas grave. Ok. Alors, on est où exactement? D'accord, on est là. Ah, d'accord. Quelque chose, la porte est coincée. Mais du coup, on peut décoincer la porte. Il suffit de pousser ça, non? Bon, on a accès au coffre. On a besoin de rien de toute façon. On va prendre les balles. Ah, il y avait du soin, mais bon, on a le spray donc. On le reprendra en sortant. Lover. Oh, des balles. Bon, ça va être blindax niveau. Ah là, il y a quelqu'un. Bonjour. Un sac mortuaire. C'est jamais. Ah oui, oui, ce plan de caméra. J'aime. Alors, qu'est-ce qu'on a? Note de l'anatomiste. Le démon a pris le contrôle de mon esprit. Je ne peux maîtriser mes actes. J'agis sous emprise. Cette cérémonie est inhumaine, mais le démon est en moi. Je prends plaisir à assister à leur agonie, à entendre leurs cris, à voir leurs convulsions. Monsieur Alfred m'a confié un laboratoire et m'a accordé tous les équipements dont j'ai besoin pour poursuivre mes recherches. Il m'a également fourni des cobayes, matière première indispensable à mes expériences. Je ne dois pas trahir la bonté de Monsieur Alfred. Grâce à mon dispositif d'accès, nous serons les deux seuls à connaître l'existence du sous-sol de ce bâtiment médical. Notre antre restera inviolé. Et j'ai fait B alors que je voulais pas faire B parce que c'est mal fait. En effet, non seulement je garde la clé toujours sur moi, mais bien malin serait imaginer qu'il s'agit bien d'une clé. Je reste conscient que ma vie dépend de la confiance que porte Monsieur Alfred. La représentation du corps humain. On dirait qu'il manque quelque chose. Bah déjà, il y a un œil déjà. Oh, medical spray. Ok. Étrange produit chimique. Des scalpels sont éparpillés. Oui, non mais... Moi j'aurais été... Voilà. Hein. Bon, bah, on va aller par là alors. Bah oui, évidemment. Nanda. Again. Alors oui, ça c'est pas vraiment des instruments de
C'est pas vraiment des instruments de médecin, ça, non? Oh. Oh oui. Ta-da-da-da. Auto ou manuel? Un automatique, équipé d'un chargeur modifié. Puisque j'ai 3 balles en rafale. Ah oui, donc du coup, soit tu le mets en manuel, soit tu le mets en auto, ok. Ah oui, du coup, t'as 20. On va le mettre en auto. Et on va voir ce que ça donne si vraiment on crame nos balles vitesse grand V. D'accord. Alors j'allais dire c'est tout ce qu'il y avait. Il y avait ça aussi. Est-ce que Michel est là? Vas-y, ouvre la porte ou... Serrons les fesses. Prêt à dégainer. Prêt à sursauter aussi. Pardon? Il est déjà mort. Hop là, bonjour. Prosper, prosper, youpla boom. Ce détail a été oublié par la cour, monsieur. Fichtre. J'arrive. Bah du coup oui, on va enlever les deux flingues. Hop, comme ça on va pouvoir récupérer l'herbe verte, la fusionner, récupérer l'œil, naninia, naninia. Non, non plus. Bon, voilà. Bon, après, en vrai, on n'est pas... On n'est pas trop mal, en fait, en termes de... En termes de munitions, en termes de puissance de feu, ça va encore, en fait. Et qu'il manque une chose. Est-ce que ça serait pas un œil? Nununut. On est prêt à dégainer. Tan 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 tan. Non mais les chauves-souris c'est chiant. Ça c'est bien par contre.
Parce qu'on sait jamais. Run! Non. On va pas gager des balles pour rien, quoi. Voilà. Carreaux, bon, prenons les carreaux. Les munitions, prenons des munitions. Il y a une belle trace de sang. Et où là? Prison premier sous-sol. Bah, du coup, il va falloir peut-être descendre. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui. On dirait un vieux moulin à eau. Ah, ok, d'accord, j'avais pas compris le délire. Je me demande à quoi ça pouvait servir. No idea. Ça a l'air d'être en tout cas le temple du bon goût. Le temple du bon goût et du fun. Juste regarder un truc. Non, je peux pas changer ça, d'accord. Parce que je voulais changer un truc au niveau de la barre d'état, mais je peux pas. Bon, bah, tant pis. Changer un truc, mais bon, on peut pas. Ok. Qu'est-ce à dire que ça c'est? Une statue en pierre porte une épée rouillée. Bah, let's go, ouais. Je pensais qu'il fallait la mettre dans un truc spécial. Non, faut juste tourner, quoi. Une statue de fer et un orifice sur le torse. Ah! C'est une vierge de fer. Il y avait peut-être quelqu'un là. Ailleurs! Mais meurs. Voilà. Il y avait quelqu'un à l'intérieur. Et nous prenons un papier perforé pour, du coup, le piano. Ok, bon bah du coup, retournons au manoir. C'est parti, allons-y, let's go. Retournons au manoir. Non mais... Cassez-vous. Ok, donc on a le papier perforé pour du coup le piano qui est au premier étage du manoir. Et après, je crois que ça va du coup nous ouvrir une porte ou quelque chose, on verra bien. Du coup, c'est chiant parce que... On va passer par là, c'est pas grave. Parce que je me dis c'est chiant parce que du coup, il y a le coffre et le truc, mais bon, au pire...
Voilà. Puis là, il n'y a personne. Là, il va y avoir les deux chiens, on s'en fiche. Par contre, j'aurais bien aimé quand même aller récupérer le soin. Du coup, en vrai... Est-ce que je peux avoir accès au soin qui est là? Ah, c'est con qu'on puisse pas le... Ah, mais si je fais associer... Non. Tant pis. Tant pis, tant pis. Oh, comme ça, t'es en faible, Micheline. On met où? Alors, yeah, bah, j'aurais pu aller le récupérer, mais bon. Non, oh, tant pis. Tant pis, tant pis. Par contre, du coup... Allez, c'est parti. Lise. Donc là, du coup, tout droit, on rentre, on monte. Pièce d'à côté. Du coup, je suppose que ça va nous donner le truc bleu. Je suppose. Greetings. You must be the lovely Claire Redfield. Oh! Who are you? Let's just say that I'm a ghost. Ah bah oui. Coming back to haunt your dear brother. Ah bah oui. Wesker? Eh oui. It seems there's not much explaining to do, is there? I was the one who attacked this island. Who'd have thought you'd be hanging about? All the better for me. Now that the cat dragged in this nice surprise, your ever so caring brother will definitely show up. I must thank you for being such good bait. T'as une conjonctivite. But you have him all wrong. My brother is not the kind of person you think he is. Ah bon? I despise Chris. What are you gonna do to him? Oui, donc du coup, il est infecté par le virus T. De toute façon. Oh, how your brother will weep to see you die. What? Is it? Stay there. I'm coming. It appears you may be of some further use to me. I'm going to let you live a little longer. Ninja? Metal Gear? Oui, c'était un truc en scénarium. Donc Wesker est toujours en vie et est ici. Alors, toujours en vie, on s'en doutait. Parce qu'on a vu disparaître dans Resident Evil. Mais...
Mais du coup, il est là. Ok. Du coup, c'est lui qui a attaqué l'île. Bah donc, du coup, ça veut donc dire que Wesker a bien récupéré... A bien récupéré le virus T. Ou alors, il l'a synthétisé à partir de son corps, ce qui est possible. Parce qu'à la base, c'était Ada qui devait récupérer, pour le compte de Wesker, parce qu'on le sait, pour le compte de Wesker, le virus T dans Resident Evil 2. Mais du coup, on n'a pas d'informations là-dessus. Oh, bah voilà. Ah oui, en plus, c'est la truc qui s'appelle le Kingmaker. D'accord. Ok. Bah, save, du coup. On va aller sauvegarder. Oh, c'est bien foutu, parce qu'on entend encore le piano. C'est bien fait. Donc du coup, ouais, Wesker est toujours en vie. Bon. Et bah, on verra bien. Oh, je viens de penser à un jeu. C'est vrai que j'avais dit la dernière fois qu'il faudrait qu'on... Voilà. Qu'il faudrait qu'on... refasse des jeux PS2. Parce que même si j'avais pas la PS2, j'ai joué à beaucoup de jeux PS2 chez des potes. Et en vrai, il y a... Enfin, chez des potes et chez mon cousin aussi, parce que mon cousin avait la PS2. D'ailleurs, blague à part, mais... mon cousin avait acheté la PS2 sans carte mémoire à l'époque. Il avait acheté la PS2 sans carte mémoire. En fait, ce qu'il avait fait, c'est que il avait acheté la PS2 avec GTA Vice City sans carte mémoire, parce qu'en fait du coup Sony faisait ça avec la PS2, c'est que la carte mémoire était en option, c'est-à-dire que vous avez quand la console est sortie, ils vous vendaient la console sans carte mémoire, la carte mémoire il fallait l'acheter à côté. Et en fait une carte mémoire ça coûtait cher, en fait ça coûtait pas loin, presque le prix d'un... Alors, peut-être pas le prix d'un jeu, mais un peu moins que le prix d'un jeu à la sortie de la console. Et mon cousin a préféré acheter la PS2 et GTA Vice City. Alors même pas, c'était même pas GTA Vice City, c'était Metal Gear Solid Son of Liberty. Vice City, il l'a eu après. Mais c'était Son of Liberty sans carte mémoire. Voilà le truc. Donc évidemment, quasiment 2 semaines après, il a acheté une carte mémoire, mais en gros, il avait préféré s'acheter un jeu plutôt que qu'une carte mémoire. Oui, du coup, on vient de l'enlever, le ruban encreur. Idiot. Mais du coup, oui, il y a des jeux PS2 auxquels j'ai joué, notamment Burnout 3 Takedown, que j'adore. Évidemment, oui, GTA Vice City, j'y ai joué sur... Faudrait vraiment que je me rappelle, mais tous les jeux auxquels j'ai joué, il y en a tellement. Et en vrai, oui, faudrait un jour que je fasse une liste de jeux auxquels j'ai joué. Ouais, Resident Evil 4, il n'y a plus de balles, Resident Evil 4, ouais, c'est un Resident Evil d'action. Ouais, Code Veronica l'était aussi, hein. Vous inquiétez pas là-dessus. Par contre, on n'a plus de balles. On n'a plus de balles.
relatif. Hein. Ouais, alors, j'ai... En vrai, voilà quoi. Bonjour, comment allez-vous? Moi, je vais très très bien. Un peu mal à l'épaule, mais très très bien. Non. Mais ouais, ouais, il y en a tellement de jeux PS2. Des jeux PS2, des jeux Xbox, des jeux GameCube. Les gens qui connaissent pas, mais par exemple Second Sight, Second Sight qui est vraiment bien. Il y a Second Sight, il y a plein de jeux que j'ai joué. Wind Waker évidemment. Après il y a des jeux DS que j'aimerais bien faire aussi. C'est incrusté de rubis. Ouais, des jeux DS que j'aimerais bien faire. J'ai revu un let's play des Ace Attorney, mais Ace Attorney, je les connais par cœur. C'est compliqué. Compliqué de les faire en stream parce que vraiment je les connais par cœur donc incrusté de saphir. Ah oui d'accord, ok, on met du coup ça parce qu'en fait je me posais la question, du coup on va en faire quoi? Bah, voulez-vous grimper? Bah oui, j'ai que ça à faire de toute façon. Bon, on a lance-grenade, on a... Théoriquement, on est bien. On a... Le truc, c'est qu'on risque vraiment de plus avoir de munitions, et ça va être chiant. Alors, il y a des soins, oui, mais... J'aimerais des munitions, quoi. Oh, la libellule. Libellule argent. Ok, là, y'a rien de plus. La zone où je suis l'échelle est fermée. Ah oui, parce que oui, d'accord, faut la tourner. À la tournée, les serviettes. On a la libellule argent. Ok. Fourmi est gravée sur le mur. La bouche est en fait une serrure. Je dirais qu'on peut détacher les ailes. Les ailes de la libellule ont été cherchées. Ok. Il manque les ailes. Il manque les ailes. Oui, bah, il y a un bouton là, non? Ça fait une clé, hein, de toute façon, on est d'accord. J'ai envie de pisser. Attends 2 minutes. Est-ce que t'as la clé libellule? Non. Alors il faut déjà que t'as cherché les 2 fourmis. J'en ai planqué une dans le jardin. Les énigmes Resident Evil, hein, c'est... Ah, oh!
Incredible. Formidable. Bah, on va sauvegarder tout de suite au pire. Ok. Ah, je pensais que c'était le coffre. Des gadgets, rien de bien utile. Ok. D'accord. Et donc, j'aime les cacahuètes, oui. Mais à quel prix? Ah, il y a un livre là-haut. Mémo d'Alfred. Ma sœur Alexia est un génie d'une incomparable beauté. Elle est tout pour moi. Je ferai tout pour la protéger, au péril de ma vie. Pour elle, je dois redorer le blason de la famille Ashford, qui fut sali par mon père, Alexander. Ensemble, nous allons laver cet affront. Je bâtirai ensuite un palais où tous les aristocrates pourront se retrouver. Je ne peux supporter que les mécréants voient ma chère sœur. Elle règne sur le monde entier et je suis son bras protecteur. Tel est mon rêve, mon doux rêve. Je dois l'accomplir par amour pour Alexia. Tel est le but, le seul et unique but de mon existence. Les gens du peuple ne sont que peu d'intérêt. Ils ne doivent que se prosterner devant Alexia et moi. Pour ma très chère Alexia, Alfred Ashford. Oh, hello there. Le saut avion. J'ai le saut avion. Ok. Maintenant, nous pouvons aller à l'aéroport avec les trois sauts. Du coup, oui, on a le saut avion. Mais... faut qu'on retourne du coup manoir, ok, manoir rez-de-chaussée. Du coup, de toute façon, on va passer devant le coffre et la salle de sauvegarde. Ok. Objectif, salle de sauvegarde et après on descend. Let's go. En fait, on va se retrouver encore avec des mini. Claire Redfield, hold it right there. Ah, bonjour. We meet each other at last. A pity I must say goodbye so soon. I am Alexia Ashford. For the pride of the Ashford family, I will kill you. Je sais pas viser. Wait! What's going on? After her. Are you okay? I'm fine. It's just a scratch. C'est vraiment mal chorégraphié, en fait, je trouve, les cinématiques. This must be. What? No. Wait a second. What just happened? Eh oui.
So there never was an Alexia after all. You mean, he thinks he's two people? Okay, that's it. Let's get out of here. Alors, mec. The self-destruct system has been that freak. Activated. He's trying to blow us all up along with the entire facility. Pardon? Come on, we gotta get to that airport. En fait, c'est pas lui qui a activé l'autodestruction. C'est votre Wesker. Et oui, il n'y a jamais eu d'Alexia Ashford. C'était quelque chose... Bon, ça, je le savais, malheureusement, oui. Mais du coup, il n'y a jamais eu d'Alexia Ashford. En fait, c'est pour ça qu'on voit toujours... Alors, il n'y a jamais eu. Oui et non. C'est pour ça que dans le entre guillemets, la salle, le portrait d'Alexia est retourné. C'est parce qu'en fait, du coup, en théorie, Alexia n'existe pas vraiment. Elle a existé, mais en fait, il n'arrive pas à oublier sa sœur, en fait, tout simplement. Donc du coup, ça fait que il se comporte, il a un dédoublement de la personnalité, parce que sa sœur... alors, je crois qu'elle a été tuée, ou alors elle est morte. Je sais plus si c'est vraiment expliqué. Et c'est pour ça, en fait, que durant la cinématique qu'on a vue au début, quand c'est le frère Ashford qui parle, on voit légèrement les lèvres bouger. Faut impérativement qu'on arrive au coffre pour qu'on puisse au moins prendre les carreaux d'arbalète quoi. Ah oui, j'aurais dû prendre l'herbe verte. C'est vrai. Allez, point de sauvegarde. Il n'y a même plus la musique. En fait, je sais pas si on va avoir accès à un... coffre. Ah non, mais en fait, on peut faire déjà ça. Quoique, oui, mais le problème, c'est que j'aurais pas la place. Autant que je prenne les munitions. Donc là, du coup, on sort. On va à droite. On descend. Tac, tac, aéroport. Je crois que normalement c'est pas lui qui a mis l'autodestruction, c'est notre Wesker encore.
Oui. Those must be the remaining survivors. We'd better get out of here too. Right. Let's go. Self-destruct system. We gotta get to that airport. On doit aller à cet aéroport. C'est pas on doit aller à cet avion. Allez, let's gong. Ah oui, bah du coup, on est déjà arrivé. on est déjà arrivé. Oui, il n'y avait rien de plus. Ouais. Oui, donc en fait, on n'a même pas accès à un coffre. Ouais. Si on prend pas les trucs, je crois qu'on est base axe. Faut les prendre dès le début, quoi. C'était par là hein, qu'il fallait aller. Hein. Je sais plus. Attendez. Je sais plus. Je sais plus si c'était pas là ou là ou si c'est là ou là. C'est pas là. Attendez, si, c'est peut-être là. Oh, je sais plus. Bon, y a pas de timer là, mais bon. Non, c'est pas là, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Self-destruct system. Allez. Allez, Claire. Oui, il est là-bas en plus, Billy. Enfin, Steve. Il a dû la voir passer. Mais où est-ce qu'elle va, cette conne? Eux sont un peu avec de tension. Oui Billy, désolé, je me suis planté de porte. Bah non. Mais oui. Non mais. C'est quand même le système de sécurité le plus con du monde. Hein. Vite, on doit évacuer. Attendez, il faut que j'aille trouver les trois médaillons magiques. The self-destruct system has been activated. All personnel, evacuate.
Oh. Oui. We can't take off unless we raise the bridge. All personnel. Leave that to me. You stay here and make preparations for takeoff. Yeah, but before that, I need to take the lift here. I need to save. C'est pas long. Avion cockpit. Est-ce que je peux prendre le Ink Ribbon? Oui. Let's go. Non, prends-la. On n'avait rien à prendre de toute façon là-dedans. Ah, par contre, ça doit être fun. Il y a 3 heures que j'ai mal à l'épaule. Bonjour. Hop. Jeu de jambes. Jeu pas de jambes. Où c'est vous, monsieur? Bon, pousse-toi. Allez. Pling, plong, plong, pling, pling, plong, plong, pling, pling, plong. Et du coup, une fois que j'aurai enlevé la passerelle. Le contrôle est absent. Utilisons alors le levier de contrôle. Montez le levier. Let's go. Ah oui, ok. Ça me fera un passage de mon côté. Allez, saute sur l'avion. Saute sur l'avion. Oh. Pas de contrôle pour son vie du coup. Okay. Merci. Oui, d'accord. Ah, ok. Heureusement que c'est marqué en vert où on doit aller. Et long cette autodestruction quand même, hein. Normal, j'ai mis 24 heures, monsieur. Ah, ok. Évacuez immédiatement, ça va exploser. Dans 24 heures. Allez. Utilisons un Ink Ribbon.
why the game is so generous with me. Alors, du coup, on associe ça au pire. Bon, on peut rester en demi-faible, on verra bien. Qu'est-ce bloque la porte? Ouais, mais du coup, si je fais si je veux pas, oh, la ventilation de la pièce. Mais sinon, et rien d'autre. Mais pousse là, hein. Pousse. C'est sûr que tu peux pousser, Micheline. Mais pousse, pousse. Micheline. Mais je vois pas en quoi ça m'aide de faire ça en fait. Vu que je peux pas passer par en dessous, c'est débile. Mais je comprends pas le truc. Et je peux pas le tirer donc. Et les caisses ils sont comme ça. Comment je peux faire pour les. Je peux pas les tirer de toute façon. Pas les tirer les caisses. Monter dessus sert à rien. Ah bah là c'est mon némésis, hein. Je peux que les pousser, mais je peux pas les pousser à fond. Allô? Là, pourquoi je peux. Pourquoi je peux plus la pousser là? Mais. Pourquoi quand la caisse elle est là, je ne peux plus la pousser? The self-destruct system has...
Ah mais là c'est... vous pouvez mettre 350 ennemis, j'arriverai, mais là... là, deux caisses, c'est la mort. Hein. Là, je vais pouvoir la pousser. Mais non, pourquoi je peux pas... Mais... Pourquoi je peux la pousser là, mais pas avant? Parce que... Pourquoi? Ok. Allô? Ah ouais, non mais c'est chiadé hein, comme truc hein. Là je peux la pousser là? Ok ouais, non mais d'accord. Parfois ça veut pousser, parfois ça veut pas hein. On a sauvegardé de toute façon. Allez. Non mais là. Not allow you fools to escape. This is what you get for trying to oppose me. Now feel my revenge. Metal Gear? Again. Ok. Ah, c'est ça qu'ils ont ramené. Que l'équipe de Hunk a ramené. Ils ont ramené un tyran. Un Mr. X, quoi, en gros. C'est ça, du coup, qu'ils ont ramené. D'accord. Ok. Et du coup, faut retourner. Oui, faut retourner à l'aéroport. Et du coup, on arrive là. D'accord. On arrive d'ici. Ok. D'accord, pas de retour possible. Alors est-ce que c'est un... Non, c'est pas un Némésis, c'est un tyran point en fait. D'accord. 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 Ah, je pensais qu'on pouvait, mais non. Ok. Du coup, il y en a un ou 350? Minutes. Before detonation. Allez, pouf, 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 pouf. Mais ouais, du coup, c'est ça que l'équipe de Hunk a récupéré. C'est un tyran. Ou plusieurs. Donc, d'accord, c'est ça qu'ils ont récupéré. Et du coup, ils les ont planqués sur cette île.
Et du coup, c'est ça que Wesker est venu chercher. Mais oui. C'est ça que Wesker est venu chercher. Il est venu chercher en fait des données sur le tyran. Ou le tyran lui-même d'ailleurs. Chose qu'il était venu chercher dans Resident Evil. C'est ce qu'il était venu chercher de toute façon dans Resident Evil 1. Time to say goodbye. Et ben voilà. We made it. Yahoo. Ugh, it's finally over. C'est vraiment fini. regarde devant toi, Michel. Merci. Claire, I'm sorry. I know I caused a lot of trouble for you. Ouais, je pensais vu que t'avais un vagin, bah du coup tu savais pas te battre, okay. Mais en fait. It was hard for both of us. Quoi? Allô? Well, I really hope you find your brother. I. TKT. I know what it's like to be. Soum TM. Oh Steve. Mais des émotions s'il vous plaît hein. So, where should we go now? I can take you anywhere you want to go, Claire. En Corée du Nord. I hear Hawaii is nice this time of year. You got it. Ouais. Alors je pense que tu vas pas approcher des côtes américaines comme ça, mais bon. Why not? Tant qu'en théorie on est censé aller dedans, pas derrière. Non mais. Ah y a des balles en dessous, sous le tank. Ah bon? This game is not over yet. Now you will see what real terror is all about. C'est piloter un avion de chasse, Jean-Michel? Ça, c'est ma fusée, enculé ta mère. Legit. Asta Harrier. Vas-y, pète-toi les ailes. Ah, ça y est, dans l'espace. In space. Déjà? Hey, what the? The cargo room hatch is open. I'll go back and check it out. Thanks. I've unlocked the cargo room door. Thanks. I will save. Je sais pas si on va jouer Chris dans Code Veronica, je me souviens pas du tout.
On parle de Chris et tout ça, mais du coup... Elle est claire. Allez. Hello there. En théorie, tu devrais quand même être aspiré. Moi aussi, d'ailleurs. De toute façon, t'es mené par l'éjection. Bah, boum. Yo pienso que... Warning. Aha. J'aimerais me barrer. Merci. Non, oui. En fait, ça me rappelle Resident Evil 2, en fait, ce truc. Et je me demande si le fait de l'attaquer là, ça sert à... Ça sert à quelque chose ou pas? J'ai pas l'impression que ça fait quelque chose en fait. Oui. J'aimerais me lever et bouger, s'il vous plaît. Merci. Là, c'est pas encore. Ouais. Ouais. À mon avis, ça ne fait rien. Et bah, première mort. Première mort. Depuis le début, première mort. Sur le tyran. Mais en fait, du coup, oui, ça sert à rien de lui tirer dessus, en fait. Donc, en vrai... on va quand même prendre le flingue et on va quand même prendre les soins, évidemment. Mais en fait, ça sert à rien de lui tirer dessus, donc... juste équiper le flingue. Mais en vrai, ça sert à rien de lui tirer dessus. Donc, je pense qu'il faut juste esquiver. Et ça ira très bien. Oui, non, mais j'ai déjà vu cette cinématique. Je sais qu'elle va ouvrir la porte. Et en fait, du coup, juste après lui, on a le lui qui arrive en avion de chasse, quoi. À moins qu'il va se le prendre dans la gueule, ce qui serait très rigolo.
après du coup faut hop esquive. Sébastien Chabal. Hey, come on. Come on, dude. Come on. Oui, d'accord. Ah, on peut sauter. D'accord. Non, bah... Ok, on peut... être expulsé dehors. Ok, non, mais... Très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien. Très bien. On va encore se retaper la putain de porte. Failli m'endormir. En fait, j'ai vraiment l'impression que dans tous les Resident Evil, on va galérer, c'est sur le boss de fin, parce que je présume être le boss de fin. Après, le truc, c'est que... Je sais pas si on joue avec Chris après. Je crois qu'on va jouer avec Chris après. Donc on a, c'est pas vraiment la fin. T'es même pas en danger. Putain, deux coups. D'accord, hein, mais ok. On va se retaper la porte. Non mais d'accord, ok, deux coups. Je vais redire la même chose que j'ai dit quand on a joué à... Quand on a fait Resident Evil 3. À quoi ça sert de donner autant de soins quand le boss te tue en un coup? Expliquez-moi le concept, parce que... Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Tu donnes des soins au joueur, très bien. Mais si le boss te tue en un coup, quel est l'intérêt? Fin de Resident Evil 3, c'était ça, hein. C'est... Ok, t'as des soins, d'accord. Mais le boss te tue en un coup. Donc quel est l'intérêt de donner des soins si tu meurs? Pas d'intérêt. Oui, on sait. Bah non, du coup. C'est marrant parce que tout à l'heure je me suis fait matraquer dans le coin. J'ai réussi à déclencher la deuxième phase et là. Bouton. Thank you.
D'accord. Non mais le faible orange, c'est con. Ça devrait en prendre plein la gueule. Ok. Non mais oui, ok. Faut le faire combien de fois? J'ai plus de soins. Hein. Bah oui, mais d'accord. Ok. Mais. Bah oui, j'ai plus de soins. Mais. Il faut le faire combien de fois? C'est débile. Alors, j'ai vite fait la soluce à côté, hein. Vite fait, enfin à côté, sur un truc. Tirez-lui dessus. Mettez un putain d'indicateur que ça le touche. C'est débile. Mettez un putain d'indicateur que ça le touche. Moi, pour moi, ça faisait rien. Donc, je me dis, je gâche mes munitions pour que dalle. Mais non, ça le touche. Je suis désolé, Capcom, là, non. Mettez un indicateur que ça le touche. Comment le joueur est censé savoir que ça lui fait mal? Y a rien. Y a pas d'indicateur que ça lui fait du mal. Donc, du coup, t'arrêtes. Forcément. Du coup, je suppose que oui, le truc, ça fait des dégâts. C'est idiot en fait. Donc la soluce nous dit bien tirer lui dessus. Donc ça lui fait des dégâts. Il est pas immunisé aux dégâts. Moi je sais pas, ça ne fait rien, ça fait pas d'animation de dégâts. Donc je me dis, bah ça lui fait pas mal, donc du coup il prend pas de dégâts, donc ça sert à rien que j'use mes munitions, au cas où après il y a un truc. Bon, la soluce a l'air de se terminer après, donc... Après il y a un autre chapitre. Enfin, oui, il y a un autre chapitre. Il y a une autre partie à la soluce. Mais... Moi je sais pas, ça ne fait rien, je vais pas m'amuser à gâcher toutes mes munitions. Surtout dans un survival horror. Ça semble logique. Oups.
Aïe. Mais bouge. Mais clair quoi. Et bouge. Avance. Pas par là. Avance. Clair. Appuie sur le bouton. Oui, ok. Avance. Aïe. Ok. Avance. Tire. Très bien. Appuie. Clair. Ah oui, donc. Ouais, mais du coup, ok, mais... Je n'ai plus rien. Allez, mais... On va pas refaire comme hier. C'est pas possible. Je lui envoie tout. Tout ce que j'ai, je lui envoie. Ça me rend fou les jeux qui sont pas testés jusqu'à... Je sais pas. Ouais, mais du coup, oui d'accord. Mais il y a pas 36 solutions, c'est... Oh, on va encore se retaper la scène de la porte. C'est le truc le plus chiant, c'est d'attendre comme ça pendant 2 minutes, le temps qu'elle ouvre la porte. C'est bon, on a compris qu'il était derrière. Le truc, c'est que ils disent, en plus dans la soluce, ils disent 3 coups de soute et c'est fini. Ah non, on a fait 3 coups, ça n'a pas été fini. En fait, ce qui m'embête, c'est que si on s'arrête pas là et qu'il reste que 30 minutes, ça va m'emmerder, donc... J'ai le temps de regarder 3 fois la soluce. Non mais super soluce, il n'y a pas de...
clair. Non mais tu vises toujours les ennemis et là non. Là bah. La Claire, elle s'est dit non, j'ai pas envie. Pas envie de viser l'ennemi, pas envie. Allez. Appuie sur le bouton. Yes! Oh. Yes! Ah, cool! Ah! What was wrong? Oh, nothing. Just a giant cockroach that had to be stepped on. Ouais, ouais. On its own. Autopilot? It's flying in autopilot mode. I can't switch over to manual control. My apologies, but I cannot let you escape now. Oh. Alfred, you cross-dressing freak! On va tourner en rond du coup. C'est, non mais c'est legit ça, on va tourner en rond. Oh yeah. C'est du Barry White, ça je reconnais. Hello. Ton nez est pointu. Un peu comme... Bang, 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 wing, wing. Pas sur la vitre, Michel. Beaucoup d'autonomie à cet avion, hein. C'est magnifique. Hein. Hey, where are we? Huh? Latitude 82.17 degrees. Antarctique? That's the Antarctic. We're over the Antarctic. What? Hey, those are the seaplanes that left the island right before us. Then that must mean this place belongs to Umbrella. Ah oui, Antarctica? Bélier. Dans Resident Evil 0, c'est un train. Dans Code Veronica, c'est un avion. Et nous allons sauvegarder la partie.
Et on va s'arrêter là pour ce soir. Évidemment. Et bon, on va faire dans le premier, c'est pas grave. Claire. 19. Démarrage. Partie 2. Et on va s'arrêter là, donc, du coup, pour ce soir. Alors, le problème, c'est que, du coup, oui... Le truc, c'est que j'aurais bien aimé... Voilà. On va s'arrêter là, donc, du coup, pour ce soir. On n'en verra pas plus. On reprendra, donc, du coup, ça, mercredi prochain. Tranquillement. Donc, du coup, partie 2. Alors, là, je sais pas du tout ce que c'est. Là, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. En fait, il faut savoir que sur Dreamcast, il y avait deux CD, enfin deux GD-ROM. Et là, donc, du coup, on démarre donc, du coup, le GD-ROM numéro 2. Sur PS2, évidemment, vu que c'est sur un seul DVD, forcément, on n'a pas de changement de disque. Mais du coup, on continuera ça, donc du coup, la semaine prochaine. Je ne sais pas du tout combien de temps cette partie dure, en vrai. Je ne sais pas si elle est plus longue ou pas. Et je ne sais pas, en fait, si après, il y a une partie avec Chris. Normalement, il y a une partie avec Chris... deuxième partie, on a Antarctique. Oui, après, donc, du coup, si on a une partie là avec Claire et après, c'est une partie avec Chris. Donc, théoriquement, on devrait avoir à peu près le même temps, on va dire, avec les deux parties, en théorie. Donc, théoriquement, ça devrait aller. Je pense qu'on va. Peut-être qu'on terminerait la semaine prochaine. C'est possible. Semaine prochaine, en tout cas sur début avril, on le termine. Sur première semaine de avril, il sera terminé. Donc je pense que première semaine de avril, soit on fait un mix Code Veronica Resident Evil 4, soit la première semaine de avril, on termine Code Veronica et on bascule sur Resident Evil 4 juste après. On verra bien. En tout cas, j'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube Metroid02, à vous abonner au compte Twitter Metroid02 Stream et évidemment à follow la chaîne Twitch, c'est très important. Nous, on se retrouve donc du coup la semaine prochaine, mardi prochain, pour du Genshin Impact avec Neo, cette fois-ci en mode multijoueur. On continue Code Veronica mercredi et vendredi et du coup jeudi. On commencera du coup un nouveau 2 heures de rétro sur du coup théoriquement Blood Omen 2. Pas théoriquement, ce sera normalement sur Blood Omen 2. Un jeu donc du coup que j'ai pas joué depuis très longtemps. Et je crois que je l'ai fini une fois. Donc du coup, ça va être vraiment du plaisir de replonger dedans. On se refera du coup un jeu 3D. De toute façon, il y aura d'autres jeux Super NES qu'il faudra qu'on se fasse. Il y aura des jeux PS2 qu'il faudra qu'on se fasse également. Des jeux GameCube qu'il faudra qu'on se fasse également. Donc en vrai, oui. Il y a aussi Commando 3 qu'il faut qu'on se fasse. Donc il y a beaucoup de jeux, je pense, dans les 2 heures de rétro qui seront à faire. C'est sûr et certain. En tout cas, passez un bon week-end. Moi, je vous dis donc du coup à la semaine prochaine, à mardi prochain, pour du coup du Genshin Impact. Portez-vous bien, stay safe et à très bientôt. Allez, ciao !